royaume là, royaume des enfers, ça fait quoi aux gens? Ça détruit. Ça détruit comment? Expliquez. Quand un enfant de, ou un membre de la famille, on vient dans la nuit. Quand il dort, même les gens du quartier, hein? Vous faites quoi? On entre. À quelle heure? À minuit. À minuit. On entre. On prend l'esprit. Vous prenez l'esprit. On l'amène là-bas. Vous l'amenez là-bas. Dans votre temple. Vous faites quoi avec? Pour que la personne soit détruite. Qu'elle ne soit rien dans la vie. Vous détruisez dans les gens comment? On enferme. Vous fermez dans quoi? Dans un combo. Dans un combo. Oui. Oui. Donc vous prenez l'esprit de quelqu'un, vous fermez là-bas déjà. Et vous dites quoi? Vous faites quoi encore? Quand vous fermez, vous faites quoi? On se regroupe. Vous faites quoi? On se regroupe. Vous vous regroupez. Vous faites quoi? On dit, grand Dieu des royaumes des enfers. Oui, vas-y. Fais qu'elle ne soit rien dans la vie. Que tout le monde lui déteste. Qu'elle soit seule dans la vie. Qu'elle soit seule dans la vie. Qu'elle ne se marie pas. Et quand vous faites, vous rendez les gens comme ça, vous gagnez quoi? On vous donne quoi en retour? On ne nous donne rien, mais on se sent. On vous fait quoi? On se sent capable. Personne ne peut nous arrêter. Qu'est-ce qui donc t'a arrêté aujourd'hui? C'est toi, non? Oui, mais tu as dit que personne ne peut vous arrêter. Je suis petit. Je ne peux rien me faire. Je suis petit. That is how the devil is mouthful. Ne tremblez pas. Don't panic. Quand il fait tout ce bruit-là, même la nuit, quand vous dormez, ne tremblez. In the night when you are sleeping. Ne tremblez pas, tiens ton voisin que le diable a été déjà détruit. Tell your neighbor the devil has been defeated already. Le diable a été déjà vaincu des années et des... Dis que mon voisin... Say my neighbor. Est-ce que vous connaissez que nous vivons déjà dans la victoire? Do you know we are already living in the victory? De Jésus Christ. Of Jesus Christ. Gloire à Dieu. Praise God. Ok, je vais commencer à te demander. Attends. On attend pas. Tu m'as déjà insulté. Ça va. Je vais te monter ça va d'abord. J'arrête ton cou. J'appuie ton cou. Je serre ton cou. Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. Tu veux mentionner le nom là dans la nuit, dans la journée, soirée, you to il faut avoir la confiance. That name at any time, be confident. Tu pars dans les deux formes là, hein?
quand tu sens qu'il y a un endroit comme une entreprise, une boutique, comme ça, nos femmes là, tu passes là. Jésus! Les gens là vont dire que. C'est comment? You said Jesus. Qui t'a envoyé ici? Vous sentez chier. Ça serait grave là-bas. On va détruire le royaume là aujourd'hui. We are going to destroy the kingdom today. Distance can take concerné. As God is concerned, distance is not a barrier. Toute la terre est exposée devant le Seigneur. The whole earth is exposed before our Lord. Regardez comment on va arriver là-bas. Look at how you appear there. Pourquoi ils sont prostitués? Pourquoi
tu danses dans le ventre de ce fils-ci. Pourquoi? Il va se hériter tes fesses. Tu veux que le petit là fait quoi? Pour que ça suce tout son sang. Qu'elle n'a plus jamais été prostituée. Donc elle soit prostituée. Pour qu'elle n'accouche jamais. Que le tortille la fait tout le. C'est avoir toujours le sexe avec les hommes. Et qu'elle n'accouche jamais. Tu vois? Enlevez la tortue. Vite. Non, c'est vous qui sentez le détesté. Quel est le traitement de là? Laisse-moi. Enlevez cette tortue. Il est détesté. Et tu sors, tu pars, tu ne reviens plus, c'est compris? Go, hein? Sors et tu ne reviens plus, c'est compris? Hein? In Jesus' name. Au nom de Jésus. Même la tortue là est partie. Even that tortue is gone. Elle va accoucher maintenant. Son ventre est maintenant petit. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Ça va? Ton nom c'est qui? Mandometo. Mais tu as dit que tu as le tortue dans ton ventre. Parle. Tu n'as pas dit ça. Hein? Tu as dit que vous avez mis les gens dans le combo. Tu n'as pas dit ça. Qui a dit alors? Tu ne sais pas. Vous avez entendu parler de ça. Elle n'a pas dit ça. Tu n'as pas dit. Oh, tu es libéré. Jésus, Seigneur. Et Jésus, ton corps, tous les problèmes là que tu avais, c'est fini. Tu as utilisé ton corps pour casser son pied. Les béquilles. Même ça coupe la partie gauche de son corps ne bouge pas. Même elle a un problème de pied. Allève. Elle a un problème de pied. Le feu. Allève. 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 Je sais ton cou. Allève le sang de Jésus-Christ. Tu as compris, tu as enlevé. Le sang de Jésus-Christ te brûle. Le sang de Jésus-Christ. On a été libéré par ce sang de Jésus-Christ. Allez, toutes les équipes par le sang de Jésus-Christ. Le sang, enlevez tout. Tu as tout enlevé. Enlevez tout. Au nom de Jésus-Christ. Sortez alors, tu pars. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord.
Tu vois les paralytiques là, tous ces problèmes là, c'est quoi? C'est le diable. C'est les sorciers. Oh. Watch this woman rising up right now after her deliverance. Regardez cet homme qui se lève après sa délivrance. Regardez la puissance de Jésus. Quelqu'un apprécie Jésus. Apprécie Jésus. Elle marche maintenant. She can walk. Regardez comment elle peut marcher. Look at how she can move. Vas-y, marche. Comment tu sens le côté ici maintenant? Tu sens merci. Comment? Marche. Jean chapitre 12, verset 46. Je vais lire en anglais. Hein? I have come as light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark. Je veux quelqu'un ici dans la foule qui a la Bible en français, qui lit. La Bible en français, c'est où? Ok, voilà. Lis alors. Jean chapitre 12. Oui. À partir du verset 46. Pas à partir du verset 46. Verset 46, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Arrête. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Qui est venu? Jésus. Voilà. Continue. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure plus dans les ténèbres. Ça veut dire que Jésus-Christ a vu comment les occultistes, les gens occultistes vous ont attaché dans le temple, dans les lieux sacrés, dans tous les hôtels, dans les endroits occultistes, là, dans leur temple. Hein? Jésus-Christ a vu toutes ces choses. Elle est venue comme la lumière. Pour faire quoi? Pour vous faire sortir de ça. Amen. Clap for Lord Jesus Christ. Clap for Jesus again. Et maintenant, ce n'est pas l'amour là-bas. Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est comme on n'est plus ensemble. C'est quoi? Ok. Quand Jésus-Christ dit qu'il est venu comme la lumière, ça veut dire que là où vous êtes attaché, c'est le ténèbre. C'est quoi? Il est donc venu pour vous faire sortir de là. Sortir vos enfants de là-bas. Ok. Mais il y a les conditions pour obéir Dieu d'abord. Parce que Dieu est propre. Dieu est comment? Il a dit que les choses de diable là que vous faites, c'est quand tu fais les choses de diable que le diable vous arrête et vous prend captif. C'est ça? Tu vois les petites jeunes filles là, ils sont là comme ça. Et il y a le petit aussi là-bas. Hein? C'est ça, non? Certains sont venus même avec leurs petits garçons. Ils disent que toi, place-toi là-bas. Place. On se sépare. Ça, c'est l'église. Hein? Après, on peut se rencontrer encore. N'est-ce pas? Tu te trompes seulement. C'est toi seul qui te... Pendant que tu fais ça, Dieu a dit qu'il ne faut pas forniquer. C'est quand tu forniques, les gens là tombent sur toi. Quand les gens là vont chez... Quand ils ont vu un camion, ils vont acheter. Ils viennent au quartier, ils regardent. C'est quelle fille qui est libre, qui n'a pas Jésus-Christ, qui ne obéit pas Dieu? C'est quelle fille? Quand ils regardent toi, chez toi, ils regardent la nuit avec le miroir, vous dormez. Quand ils regardent, il n'y a personne là-bas qui a Dieu. La fille là, il te prend pas. Et c'est fini. Il y a une protection. Est-ce que tu es avec Dieu? Voilà. C'est comme ça que ça devient très mauvais quand tu désobéis Dieu. Mes peuples, quand tu dors, ils sont... Les gens là ne dorment pas. Oh. Les gens là ne... Ils ne dorment pas. Les femmes là ne dorment pas. Ils
sont là les minuit. Tu as vu l'heure qui fait les réunions? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Voilà. À minuit. Et à minuit, quand ils ouvrent le miroir, ils voient tout le monde qui dort. Tout le monde. Ils voient. C'est les esprits. Ils voient tout le monde. Ils regardent. Ils viennent dans leur maison aussi. Ils sont en train de voler. Ils volent. Ils viennent sous votre toiture. Ils regardent. Ils voient même à travers de toi. Ils regardent dedans. Ils regardent. Ils voient tous vos enfants qui dorment dans l'autre chambre. Toi, tu dors dans l'autre chambre. Papa dort là-bas. Les gens, ils voient tout le monde. Quand ils regardent, la maison-là n'a pas Dieu. C'est le que Dieu. Ils ont peur seulement de Dieu. Si la maison n'a pas Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ils sentent direct. Ils regardent les étoiles, les enfants. Ils collectionnent. Il a son camion acheté. Parce que quoi? Ces démons sont en train de demander les étoiles des gens. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a les étoiles. Il n'a pas, non? Il faut seulement aller collectionner. Il sort la nuit là. Chaque nuit, c'est le travail là-bas. Il sort. Il regarde les maisons. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce qui que je veux prendre. Il regarde. Il vole. Il regarde. Quand tu vois que tu es rentré de forniquer avec un garçon, tu as volé, tu fais la. Le mensonge n'est pas de Dieu. Même les gens qui manquent, la Bible dit que quand tu manques, tu deviens un fils de Satan. Tu deviens quoi? Le fils de Satan. Parce qu'il y a les gens, ils mangent, ils te regardent dans les yeux comme ça. Ils mangent. Oui, je dis la vérité, non, pas vérité, ils mentent. Ils ont menti jusqu'à ce qu'ils avoir les diplômes. Ils mentent même là, ils ne peuvent plus mentir, mais ils mentent. Et tu vois donc que quand tu fais ce que le diable veut, tu as avec le diable. Tu fais ce que Dieu veut, tu as avec qui? On regarde, on voit que tu as une étoile, que tu vas devenir. Un ministre demain, où tu es un grand femme d'affaires, un grand homme d'affaires jeune, bon demain. Quand il regarde, tu n'as pas une protection, tu n'as pas Jésus-Christ. La prochaine chose, il tombe là-bas, il prend cette étoile. Si tu faisais, si tu étais un élève, ton éducation commence à danser. Tu deviens quoi? Tu n'as plus la sagesse. On t'a appelé. Ton frère t'a appelé de l'étranger. Il dit que je vais faire les papiers que tu viens. Hein. Tu comprends? Fais seulement l'éducation là. Tu as un bac. Tu vas venir. Ils ont compris. Hein. La nuit vient. Quand il regarde, il a vu le plan qu'on est en train de programmer un voyage. Même quand tu causais avec ton frère au téléphone, il voyait. Spirituellement, il fait quoi? Il voyait. Il sait que quand tu vas voyager, n'est-ce pas, tu vas devenir un grand. Tu vas rentrer ici avec de l'argent, avec les voitures. Et quand ils voient comme ça, ils viennent seulement, ils tombent sur toi. Paf! Ton frère change le langage. Je croyais que tu vas venir, pardon, c'est trop serré sur moi. Je n'ai plus l'argent pour te faire venir en Europe. En même temps, ils partent, ils cherchent là où ton frère là est. Ils partent posséder ton frère là. Presque tout dans sa vie ne donne plus. Il y a les parents qui œuvrent vraiment à envoyer les enfants à l'école. Mais quand ils veulent attaquer, ils attaquent les finances de papa là et maman. Il n'y a plus moyen pour t'envoyer à l'école. Et c'est fini pour toi. Donc la seule chose, c'est de faire comment? C'est de faire comment? Obéir à... Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ.
qui est Dieu. Je ne suis rien. Ok. J'arrête ton coup. J'appuie ton coup. J'appuie. Je sais. Je sais. Why? Je sais. Tu vas parler. Non. Le feu. Le feu. Ne m'inquiète pas, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. Le feu. Le feu. Fire. Le feu. Le feu. Vous tous, je commence à confesser. Vous tous, commencez à confesser. J'avais le feu. Je commence à confesser, vous tous. Le feu. Commencez à confesser, vous tous. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Commencez à confesser. Le feu. Commencez à confesser. Feu. Tu vas parler. Feu. Tu vas parler. Feu. Tu vas parler. Tu vas parler. Feu. Tu vas parler. Tu vas parler. Commencez à dire que tu. Je suis son père. Tu dis que tu es son père. Son père. Son propre père. Son propre père. Je suis. Vous voyez pourquoi il est caché? Vous voyez pourquoi il dit qu'il ne dit rien là? Parce que c'est son papa même qui l'a accouché. Qui a possédé son enfant? On va comprendre les détails. Pourquoi tu as possédé ta fille? Pourquoi tu as possédé ta fille? Je ne veux pas qu'elle progresse. Tu ne veux pas quoi? Qu'elle progresse. Tu ne veux pas qu'elle progresse. Tu ne vois pas quoi? Qu'elle ait bien quelque chose dans sa vie. Tu ne vois pas qu'elle ait bien quelque chose dans sa vie? Hein? Ce n'est pas toi qui l'a accouché. C'est moi. Pourquoi alors tu ne vois pas qu'elle ait bien quelque chose? Pourquoi? Je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Je ne connais plus. Qu'est-ce que tu as détruit dans la vie, Sophie? Tu as détruit quoi? Je lui ai dit la maladie. Tu as dit quoi? La maladie. Tu as mis la maladie. Quel genre de maladie? Quel genre de maladie? Les maladies contagieuses. Les maladies contagieuses. Contamine les autres avec. Non, ça ne contamine pas. Je veux seulement lui détruire. Je ne veux pas qu'il se marie. Mon père, prends tes bagages, tu pars. Y va, prends tes bagages. Tu sors. Sortez vite. Sors vite. Jésus. Le sang de Jésus-Christ enlève aussi ce corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
kilos. Tu es libéré. Ça va? Ça va bien. Ton nom c'est qui? C'est Gwenny. Gwenny. Mais tu as dit que tu es ton père. Hein? C'est pas moi. C'est pas toi qui as dit? Vas-y, toutes tes maladies sont parties. Hein? Tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ.